Je m'appelle François Guillotot, j'ai bientôt 34 ans. Je mesure donc 1m92, je fais 95 kg. J'ai démarré le hand à l'accro à 10 ans, donc j'ai joué en fait toute ma vie à l'accro. Je suis passé 4 ans à Nice, au Cavigal, voilà, entre 18 et 22 ans. C'est vrai que c'est des investissements. Je suis parti au Pôle Espoir quand j'étais au lycée. Donc à l'internat, donc c'est sûr que ce sont des sacrifices, mais qui en valent la peine. Après, voilà, boosté par le hand, je pense que ça m'a poussé. Et ça m'a donné des valeurs un peu de la vie aussi en général. Les crêpes, j'aime beaucoup. On fait souvent les crêpes avec les enfants. On va dire ça pour toute la famille. Film préféré, Gladiator, j'aime bien. J'en ai beaucoup, j'aime bien Francis Cabrel en général. Plutôt du matin. Bah, pour mes enfants, voilà, que j'aime vraiment plus que tout. En général, sinon j'aime beaucoup voyager. Puis le sport hein, en général aussi, le hand en particulier. Je déteste quoi ? L'injustice et le mensonge. Mon club, bah, c'est mon club, je l'ai vu évoluer et j'ai tout fait pour qu'il évolue au plus haut niveau. Voilà, c'est vrai que je suis revenu de Nice il y a un peu plus de 10 ans. On était en National 3 et c'est vrai que je suis assez fier de la structure qui s'est mise autour, le niveau de jeu et bah, toutes ces personnes qui sont là pour nous accompagner. Ça fait chaud au cœur et c'est une belle évolution. Je suis content de pouvoir travailler avec lui. On a joué longtemps contre. Il m'a rappelé ça. Il avait essayé de me recruter il y a 10 ans à Fréjus. On n'avait pas pu travailler ensemble. Bon, ben voilà, ça va se faire désormais. Mon manager général. Bon, il y en a qui l'appellent mon papa. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une relation. On a une relation assez spécial, on a toujours beaucoup discuté, il a pris un peu du recul, mais bon, je pense que c'est dans l'intérêt du club aussi. Ah, lui, ça fait encore plus longtemps, voilà, c'est vrai que c'est une personne dévouée et qui est vraiment présent quand il y a besoin et on essaie vraiment de lui rendre au maximum. Voilà.